La Fondation s'est imposée comme une référence en matière de santé mondiale. La Fondation accomplit un travail exceptionnel pour permettre aux populations des pays du Sud, notamment d'Afrique et du Moyen-Orient, d'avoir accès à des médicaments et à des soins de qualité. La Fondation est devenue l'un de nos partenaires majeurs dans le combat que nous menons pour la santé mondiale. Je crois que la Fondation Pierre Fabre fait une très très grande différence lorsque nous sommes dans une période de repli sur soi, de l'exclusion. Et je crois que cette solidarité entre le Nord et le Sud, ça fait une très très grande différence. Le tandem que nous faisons, par exemple à Bulenga, à 20 ans donc de célébration de notre anniversaire, je crois que c'est un partenaire très très utile pour la lutte et les valeurs que nous défendons. Je crois que c'était très important que je vienne célébrer ces 20 ans d'anniversaire de la Fondation Pierre Fabre. La Fondation, elle a démarré modestement en luttant contre le faux médicament et puis progressivement elle a élargi son objet et aujourd'hui elle intervient dans de multiples domaines, dans des crises sanitaires qui interviennent hélas trop souvent dans beaucoup de pays. Être là aujourd'hui, pour moi c'est un privilège, c'est un honneur parce que je sais sur le terrain ce que vous faites. Les populations se reconnaissent dans votre action. Pourquoi? Parce que tout simplement vous faites ce que les autres ne font pas. Vous allez là où les autres ne vont pas. Vous avez un partenariat stratégique. Rencontrer, pouvoir échanger avec les collègues du Sénégal, d'un peu partout, du Liban, et apprendre un peu de ce qu'ils sont en train de faire. Et pour moi, c'était vraiment une opportunité. Je la saisis, je suis heureux d'être là. Je suis d'origine vietnamienne et je suis diplômée de la deuxième promotion du Master Mekong Pharma. C'était un Master français-étranger régional qui a été organisé dans le pays sud-est avec le but de la Fondation de former les personnels de la santé pour développer la pharmacie dans le pays du sud-est. Mon objectif, c'est de devenir enseignante-chercheur dans une université au Vietnam. J'aimerais transmettre toutes mes connaissances acquises en France à la formation des personnels de santé au Vietnam. La Fondation Pierre Fabre nous a doté de seringues électriques qui nous permet de pouvoir prendre en charge la douleur avec de la morphine. C'est un luxe au Burkina Faso, mais c'est vraiment un réconfort pour les patients. Et pour moi, médecin, ce n'est qu'un pur bonheur de voir mon malade au bout d'une heure qui a le grand sourire parce qu'il est très soulagé, qui me dit « Merci docteur, vous m'avez sauvé la vie ». La Fondation Pierre Fabre, elle a su trouver sa place, elle a su jouer son rôle, elle a su nous pousser vers le haut, elle a su être professionnelle, elle a su mettre du cœur et de l'humanitaire dans ce qu'elle fait. C'est juste un exemple, c'est juste un modèle. Bon vent et bonne célébration à la Fondation. Merci.